Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale de fin d'année. Moi, dès que Noël arrive, je pense à ça. Des cadeaux ! Des cadeaux ! Oui ! Alors, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées concernant Noël. Et quelquefois, entre les questions, il y aura du bêtisier. Parce qu'on prend pas les gens pour des cons sur cette chaîne YouTube. C'est parti ! Est-ce que Noël est une croyance païenne reprise par les chrétiens? Le mec, il veut me faire réfléchir, il est fou. Comment ça, le Père Noël, il n'existe pas? Mais si, il existe. Il s'appelle www.amazon.fr. Ah bon, c'est pas YouPorn? Mais enfin, tais-toi! Penses-tu que le Père Noël va maigrir un jour? Oh, tu sais, faut pas perdre espoir. Bon, il travaille qu'un jour dans l'année aussi, hein. Ah, les fonctionnaires. Quel a été ton pire cadeau de Noël où tu n'as jamais osé dire à tes parents que ça te plaisait pas? Quand j'étais môme, j'étais insupportable, alors mes parents, une année, m'ont offert des feutres. Oui, oui, des feutres. Alors moi, j'ai fait... Wouhou, des feutres! Mais dans ma tête, c'était pas comme ça du tout. Pourquoi personne ne m'aime? Allez, premier bêtisier. Sérieusement, faut que tu le fasses. Je pense que le gamin, tu joues pas. Oui, oui. Ça me fait bizarre de mettre un regard de chelou lors du moment que... Oups. Non, rigole pas. Oh non. Non, c'est moi qui regarde. Ça va? Ah non, ça va, ça va. Non, pas que tu descends en fait. Merci. Vois les choses plus positives. Vois les choses plus positives. J'étais pas prêt. Pour manger. Moi. Mais tu lui dis que je suis prêt à payer plus. Mais rigole pas. Mais Mike. Ah non, je vais pas l'appeler Mike. Non, Attends, je vais te dire. Ah, je suis rassurée. Je suis rassurée, tu vois, ouais. Là, j'étais pas prêt. Suivante. Ok, ensuite. Ah, t'as bougé, ouais. C'est pas toi qui voulais le mur et le sol en... Putain, je voulais. Mais je suis désolé, si tu voyais aussi les choses plus positives... Ton cadeau de Noël parfait. Quand j'avais 10 ans, mon frère m'a offert une voiture téléguidée. J'étais comme un fou. Puis un jour, je voulais voir si elle fonctionnait sous l'eau. Tu veux nous faire du Claude François, là, ou quoi? Ma maman, elle m'a dit que le Papa Noël, eh ben, il n'existe pas. C'est vrai? Ta maman a étrangement raison. En revanche, la petite souris, celle-là... Ouais. Celle-là. Quelle était sa vie avant d'être Père Noël? Il était vendeur à Carrefour. Merde. Et aujourd'hui... Oh putain, mais... Oh, chaque fois ça me fait le coup. Ah! Non mais c'est quoi ce cri? Y'a une araignée. Et ils peuvent nous faire de passe... Et en 5 minutes. Non, non, un double là. Non, non, un double là. Un double là. Un double là. Attends, t'as un truc qui dépasse. Fou. Non, mais c'était assez voyant, c'était ça. Mais je verrai là, je vois pas, attends. Ok. De toute façon, les meilleurs amis, c'est les seules personnes. Les personnes. Personnes. Yeah. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Non, j'ai mal dit. Oh putain. Putain. Waouh. Je comprends pas la première question. Qu'est-ce qu'elle représente à tes. Et des fois il exagère même. Attends, attends. Voilà. Il faut que tu le dises tout de suite. Ah merde. Alors au début déjà, elle m'évitait. Non, elle me. Oh putain, c'était quoi le mot? Elle me. Abonne-toi. Non, je t'ai pas touché le dos. Mais si, tu m'as touché le dos. Non, bah non, c'était. Je te promets. Avec le doigt, je te touche le dos.
Ouais, mais là, tu m'as donné un coup de trou. Oh, c'est bon. Il y a une rumeur qui circule comme quoi tu baises le Père Noël tous les ans. Je voulais savoir si c'est vrai, car personne ne sait qui est le géniteur des lutins. Mais bon, c'est peut-être une légende pour les enfants. Et oui, c'est moi le géniteur des lutins. Je lui fais des donations de sperme, mon pote. Que représente Noël pour toi et qu'espères-tu avoir sous le sapin? Noël est un moment de convivialité et de partage. D'ailleurs, c'est l'un des rares moments dans l'année où toute ou presque toute ta famille est réunie. La vie est courte, profitons de ceux qui nous sont chers. Et sinon, sous le sapin, je sais pas, une nana? Ou alors la PS4 Slim? J'hésite encore. C'est vrai que le choix est dur, là. Ouais. Eh oh, je vous entends, hein. 8-40, t'as encore des... Voilà, évidemment, je peux pas... Merde. De toute façon, maintenant c'est l'inverse. Maintenant c'est l'inverse. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Bah. Juste parle plus fort. Tu dis juste. Je vais couper, on va refaire la scène. Juste, t'es comme un frère. C'est la magie du monde, c'est la magie du truc. Là. Voilà. Moi je vois le. Ok, nickel, comme ça. Et là tu dis. Voilà, t'es comme un frère pour moi. Okay. Putain, il se baisse ce con, il est sérieux. Ah mais je suis con moi aussi. Voilà. Voilà, nickel, parfait, il est droit. T'es comme un frère pour moi. C'est fort. T'es comme un frère pour moi. Attends. Regarde. Ah. À quel moment as-tu découvert que le Père Noël n'existait pas? Comment as-tu réagi? Je devais avoir 6 ou 7 ans et j'ai réagi comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Quel est ton cadeau dont tu rêves le plus? Mais enfin, plein de livres éducatifs pour apprendre avec virtuosité la langue de Molière. Mais non, donnez-moi directement la Fnac. Au moins là, je serai comblé à vie. Dis donc, Julien, il va peut-être pas en photo. Mais à gauche ou à droite, tu me le diras? Là, vers là, tu zoomes. D'accord. Quand je te le dis, d'accord? Parce que comme ça, je sais pas ce que je fais. Vas-y, mais moi, je te le dis. Vas-y, go! Ah ouais! Aimes-tu faire des petits gâteaux de Noël durant cette période? Oui, bien sûr! Bon, en général, je les mange en même temps que je les fais, mais ouais, oui. La mère Noël, tu la baises. C'est quoi le meilleur cadeau à offrir à son copain ou copine? Tu vas bien? Alors déjà, comment tu sais? Ensuite, je sais pas, un bouquet de fleurs. Tu vas rester célibataire toute ta vie. Et enfin, ça va et toi? Tu pourrais me répondre au moins? Père ou mère Noël en tenue sexy? L'archéologie, c'est pas vraiment mon business, hein, je cours pas trop après. Moi, je suis quelqu'un qui écoute... Alors, vous vous doutez... J'ai justement un oreiller prévu à cet effet. Les rêves d'enfermement ou d'immobilisme, ce sont... Oui. Être nu en public suggère que... Oh, punaise. Être nu en public... Être nu en public... Pourquoi j'arrive pas à dire suggère? Être nu en public suggère que vous vous sentez désarmé face à cette situation... Oh. Et cette phrase, elle est dure. Je bégaye. Être nu en public suggère que vous vous sentez... Être nu en public suggère que vous vous sentez... Et là, moi, j'ai oublié. Faire un rêve érotique et tout... Je me rappelle quand j'étais môme, j'avais regardé...
l'intérêt chez les enfants, putain. Et affirme notre hospitalité. Les rêves érotiques. Un rêve érotique peut aussi signifier un désir d'union ou un... Un rêve érotique peut aussi... Putain! Comme un besoin incontestable de libre... d'évasion. Ah oui, parce que moi, je sais pas vous, mais moi, quand je rêve, je me rêvais... Oh, putain de merde! Personnellement, pour... Merde, c'était flou. Ah, fallait pas parler! Parle pas! Pareil, ce que j'aime aussi, c'est que quand t'as shit... que t'as shit... Genre, près de... Genre, ah, putain. Ça pèse. Oh, oh merde, putain. Ah bah oui, du coup. Mis à part ma... À part ça, ma rentrée s'est très bien se passée. Très bien se passée, putain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette année. C'est quand même grâce à vous que je m'éclate. Il y a tes abonnés qui ont une surprise pour toi. Hein? Quoi? Comment ça? Yo, Julien, je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2018. Ciao. Bonne Noël, bonne année 2018. Bonne année, man. Bonne année. Bon joyeux Noël. Bonne année 2018. Après, ça, ta décoration de Noël, ce que des boules, là, hein. Ce qu'a des boules. Pense à des décorations, des boules. Ce qu'a des boules. Ce qu'a des boules. Coucou, Julien. Je te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Plein de bonheur, plein de santé pour l'année prochaine. Beaucoup de chance pour tes prochaines vidéos. J'espère qu'on refera plein de vidéos tous ensemble avec Morgane et tout ça. Et puis ben je te fais de gros bisous et ben à l'année prochaine. Salut, bisous. Salut Julien, alors je te souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2018. Salut. Neige dehors, alors je pense que c'est l'occasion pour te souhaiter un joyeux Noël et puis une bonne année. Joyeux Noël, tête de gland. Salut Juju, je te souhaite de très belles fêtes de Noël, profite super bien pour les vacances, et puis surtout, je te souhaite une très belle et heureuse année 2018. Bisous. Coucou Julien, bah c'est Océane, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter un joyeux Noël et un joyeux nouvel an. J'espère que l'année prochaine, ce sera une année de réussite pour toi, et que tu continueras à faire des vidéos YouTube, et que surtout, tu continueras à nous faire rire, parce que vraiment... T'es quelqu'un de superbe et change pas, voilà, reste comme t'es et je t'adore. Bisous. Salut Juju, je te souhaite un joyeux Noël déjà et une bonne année 2018, bisous. Bonne Noël et bonne année 2018. Joyeux Noël et bonne année 2018. J'espère que l'an prochain il faudra pas faire ça, sérieux. Ça me casse les couilles chaque année. Coucou Julien, voilà une petite vidéo pour te souhaiter un joyeux Noël, pour te souhaiter une bonne année, que tu fêtes bien et puis à l'année prochaine. Ciao ciao. Et nous on se retrouve à l'année prochaine. Ciao.